Welcome tout le monde. Salut à tous et à toutes les copines et les copains. C'est Kiwiki pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Aujourd'hui les gars, je suis pump de ouf, je suis heureux parce qu'on va ouvrir une de mes séries. Ça fait longtemps que j'en cherche. J'ai parcouru tout eBay, j'ai parcouru la France entière pour vous trouver cette box. En plus, j'ai eu la chance de pas l'avoir eu vraiment très peu cher. On va s'ouvrir aujourd'hui une partie de la display Duo de choc. Une display qui en ce moment même est vendue à 700$ sur eBay scellé. C'est une display qui en ce moment prend de la valeur de ouf. Si vous avez une display que vous voulez garder scellée, parce que je sais qu'il y en a qui ont envie... Oh là là, j'ai lâché un poustillon de ouf. S'il y en a qui ont envie de garder du scellé, je vous conseille réellement de vous pencher vers les Alliances Infaillibles et Duo de Choc. Les Team S-Squad, là, les gens, ils adorent ça. Et moi aussi, j'avoue que j'adore, c'est une de mes séries préférées. Donc vraiment, je vous conseille cette display. En 2-3 mois, là, c'est vraiment, ça a explosé. En décembre, la display, vous pouvez la trouver à 300$. Aujourd'hui, elle est déjà à 700$ et commence à pu en avoir sur eBay. En France, en français, vous pouvez encore la trouver à des prix très très abordables. Duo de Choc, c'est une superbe, superbe série. Du coup, aujourd'hui, on va s'ouvrir cette display comme des bœufs. Je suis ultra pressé. Vous allez voir aussi dans le décor qu'il y a de nouvelles displays qui se sont ajoutées dans ce petit décor. J'espère qu'on va avoir du lourd. J'adore les cartes Squad. J'espère vraiment qu'on va créer l'impossible aujourd'hui dans cette vidéo. On va s'ouvrir entre 9 et 12 boosters. Je vais voir, histoire de faire plusieurs vidéos sur cette display Duo de Choc. Explosez-moi cette barre de pouces. Vous êtes plus de 70% à regarder cette chaîne YouTube et ne pas être abonné alors qu'un petit clic peut changer ma vie et mon destin de entraîneur Pokémon. Enfin, plutôt collectionneur Pokémon. Mais c'est parti, les gars. On est parti pour la synchronisation. Mon dieu, j'espère que vous êtes pump. Je suis excité, c'est parti, Duo de Choc. Les amis, on se retrouve pour cette ouverture de fou de Duo de Choc. Je suis tellement pressé. En plus, j'ai un peu de Duo de Choc aussi en scellé à la maison que je vais garder scellé, je pense. Je dis toujours ça, mais au final, j'ouvre toujours hein, la passion, toujours. Donc allez, je vais choisir des boosters au hasard en espérant qu'on ait un petit peu de chance. Alors, comme je vous ai dit, cette display, j'ai eu la chance de l'avoir vraiment très très peu cher. En fait, j'ai acheté plein de displays. Regardez des demi-displays comme ça. Alors, elles sont abîmées. Hein, c'est quelqu'un qui me les a vendues. Elles étaient non scellées. Mais voilà, donc aussi un petit peu abîmées. Mais les boosters n'ont rien. Et les boosters ne sont pas pesés, rien. Donc, j'avais bien vérifié avec le vendeur. Et du coup, j'ai pu avoir, un bon prix. Mais sinon, je vous conseille toujours d'acheter chez Gelo Store. Vous avez moins 5% en plus. Il vient d'avoir du réassort sur des anciennes séries. Je vous conseille réellement d'aller checker ça. Allez, là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boosters. Allez, 7, 8 et un 9e. On va prendre celui-là. 9 boosters. Allez, on va se décaler ça comme ça. On va changer un petit peu le plan comme ça. Voilà. Voici 9 boosters. Voilà, on va se mélanger ça comme ça. Voilà, un petit peu à la va-vite. Et on est parti, j'espère que vous êtes pumpés tout comme moi je le suis pour vous présenter une de mes séries que j'adore énormément. J'espère qu'on va être poule de la GX. J'espère que bah, franchement là je suis trop trop pressé. C'est une série de malades et c'est parti. On commence avec un Ectoplasma et Mimiki. Alors comme je vous ai dit, les boosters sont assez anciens. Vous allez voir qu'ils se décollent très très facilement quand je les ouvre. Regardez, en fait je peux les ouvrir carrément comme ça. Regardez la colle là, carrément... C'est carrément barré, mais les boosters sont pas pesés, donc on s'en fiche. C'est juste que bon, je pense que la personne n'en a pas vraiment pris soin, mais bon, tant que les cartes n'ont rien, nous on s'en fiche. Alors attendez, je vais juste bien vous remettre la caméra histoire que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Hop, et je pense que je pense qu'on est bon. Alors je connais même pas le triage. Hop, voici le code. Je connais pas du tout le triage. Bon bah on verra. Pour les frères, j'espère que là vous avez porté chance. J'aimerais bien pull des gros trucs, il y a de très très belles cartes dans cette extension. Énergie, Meridia, Kabuto, Nyx, Magikka, franchement énervé, Arthur qui est énervé, j'aime beaucoup. Mediana, oh là 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 là, ça c'est Pokémon de ma génération, ça c'était le Pokémon... Oh wesh, wesh Rakaïu, il est moche. Oh, oh là 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 là. Non mais... Regardez-moi comment il est beau. Non mais ce mini Draco, t'as envie de l'avoir chez toi. Ammonita, bon, en reverse, on va pas se plaindre, en vrai, c'est un Pokémon sympa. Et on n'aura rien pour ce premier booster, mais c'est Ammonita. Bon bah, en vrai, je suis content de voir ce genre de Pokémon. C'est des Pokémon que je connais, qui me font extrêmement plaisir. J'aime beaucoup le design des cartes. Vraiment sympa. Alors comme d'habitude, on va les ouvrir comme ça. En plus, je trouve que ça abîme moins les cartes. Mais encore une fois, vous avez vu la facilité à laquelle on peut ouvrir les cartes. Donc faites attention si vous avez des boosters qui traînent, ça fait longtemps qu'ils traînent, quand ils sont pas sous scellés,
j'ai l'impression que bah, le colon se barre. Donc voilà, faites attention quand même. Hop, on est parti. Énergie sombre. Chaval et Chanzine. Oh là là, Carapace. Regardez-moi ce beau gosse. Tous. Oh là là, que des Pokémon de fou. Stai. Monorpal. Aspico aussi avec un magnifique artwork. Mini Draco. Ça fait super plaisir. Tellement d'Aloha. Donc bon, ok, très bien. Je savais pas qu'il y avait déjà les cartes d'Aloha dans cette série. On a le Noacier en Reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dans l'aide, s'il vous plaît? Et ce sera allié bientôt. Oh, let's go! Regardez-moi ce roi! Regardez-moi comment il a faim! Alors, regardez-moi comment il a faim! Il a envie de te... Oh! Ça, c'est un Léviator pour le roi, ça! Oh là 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 là, j'aime beaucoup! Quel monstre! Oh là 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 là, ce début d'ouverture, il me fait trop plaisir! Let's go! Hop là, le petit code, comme d'habitude. On est parti. 1, 2, 3, 4. Hop. En tout cas, on passe donc au troisième booster. On est à un tiers de l'ouverture. L'énergie. L'énergie. Amonita. Tauros, encore une fois, on dirait un petit peu pareil. Férosinge, Super Artwork, encore une fois. Ça, je déteste les Artwork en 3D. Je sais pas à quoi ils jouent Pokémon Company de tout le temps nous pondre ça. J'aime pas du tout. Grain dur. Woukoups. Pam, pam. Beau gosse de ouf. Franchement, les communes sont super belles. Les communes sont trop belles. J'aime trop. Ok, on est déjà à la Reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Et ce sera quand même un Capitops qui tombe. Donc, assez sympa. En réalité, quand même, ça reste assez sympa. Bon, 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 bon. Déjà, ce Léviator là. Oh là 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 là. Il est trop beau. Quatrième booster. Hop là. Le petit code. 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Énergie. Alors, attendez, j'ai bien vous mettre les cartes. Matoufeu. Vaillant de pierre. On a des cartes de pierre. Ça fait plaisir. Enfin, avec pierre. Communication Pokémon. Ambrelex. Psychoquack. Goopix, eh mais c'est que des Pokémon qu'on connaît. Bon, je connais pas par contre le Scalpion, mais il est stylé de l'artwork. Rakayu, Rakayu, il est tête de père. Ok, on River Shamal et Chanswine. Et ce sera Scarabrut. Bon, pour l'instant, une holographique. 4 boosters. Ça va, ça va. Mais on aimerait un peu plus de trucs si c'est possible. Ok, donc ce booster il a l'air mieux conservé par contre. Voilà, regardez. Difficile à l'ouvrir celui-là. Beaucoup mieux conservé celui-là par contre. Hop là. Allez, le code. Encore une fois, c'est pour vous. 1, 2, 3 et 4. Bon les amis, dites-moi quelle est votre série préférée que vous aimez ouvrir. L'énergie. Tignon. Jasmine. Draco encore une fois. Mais franchement les Dracos sont trop beaux, hein. C'est un truc de fou. Nidoran. J'essaie de bien tenir les cartes. On remet un peu ça. On remet la mèche de cheveux. C'est un peu comme les Super Saiyan, tu vois. Dès que je remets ma mèche de cheveux, c'est bon, c'est game. Nidoran, Magikarp, Mediana. Bon, ça, c'est des cartes qu'on a déjà eues. Rakayu, encore une fois. Voilà, là, on commence à avoir les mêmes cartes. Et Molga, je connaissais pas du tout, mais j'aime bien. Franchement, beau gosse de ouf. Et ce sera un Megavolt. Bon. Bon, 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 bon. Pour l'instant, là, ça commence à. À schlinguer, j'ai envie de te dire. Après, on est sur une display, on a des quotas qui sont fixes, enfin des quotas obligatoires, donc dans tous les cas, on aura quelque chose dans ces displays. Mais bon, après, c'est vrai que c'est Léviator. Est-ce que ce Léviator vaut 5 boosters? Dans mon cœur, oui. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Dans mon cœur, oui. Hop, le code 1, 2, 3 et 4. Énergie, Coconfort. Nidorino, le sifflet de juge, Stai, Flamiaou, Zorua, je connais pas par contre comme Pokémon, Aspico. En fait, il y a souvent les mêmes Pokémon qui reviennent, genre comme Draco, mais avec des artworks différents et ça fait plaisir. Attendez, ma coupe de cheveux, c'est quoi ça? Wow,
Statutique. Statutique et... Aïe. J'en perds mes cheveux. Aïe. Oh. Allez, Goku. Je sais pas, un frère qui me donne un peu de force là. J'aimerais bien avoir quelque chose là quand même, ce serait cool. En vrai. Ok. 1, 2, 3 et 4, c'est parti les amis. C'est parti. Énergie. Tignon. Draco. Le fossile inconnu. Mini Draco. Tadmor d'Aloha. Ponyta. Cosmog. Voltor, magnifique le Voltor. Vaillant de Pierre, allez s'il te plaît. Et ce sera un ossature d'Aloha. Ça fait mal de rien avoir. On espère que les boosters ne sont pas pesés. Ouais, ça fait mal de rien avoir. Ok, c'est parti les amis. Tac. Allez, 1, 2, 3 et 4. C'est parti. On va bien mettre les cartes. Allez, on espère quelque chose. Énergie. Perceuse dangereuse. Tignon. Encore une fois un Draco. Racaillou. Terre au singe. Pan d'espiègle que j'aime pas du tout. Grindure. Roucoups. On a l'adresse de retour et... Analyse de Léo. Ah pardon, analyse de Léo en holographique. Bon, ça nous fait une deuxième holo. Bon, c'est pas ouf, hein, 9 boosters de holographique, c'est clairement pas ouf. On passe donc au dernier booster. Hop. Allez. Donnez-moi de la chance, les gars. Énergie. Aurore. L'énergie. Lipoudou. Starry. Mediana. Racaillou. Paras. Statitique. En reverse. Quel artichaut. Allez. Scarabrut. En rare. Eh ben, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, les gars, la caméra s'est coupée. On a ouvert 10 boosters. Mais écoutez, j'ai eu que 2 holographiques en 10 boosters. Allez, on s'en ouvre 3 en plus. 3 derniers boosters, les amis. On en a ouvert 9. Ça nous en fera 12. Comme ça, on fera 3 vidéos de 12 boosters. Je voulais en ouvrir que 10. Mais bon, là, franchement, j'ai rien eu. Donc, j'espère avoir quelque chose. On va commencer avec celui-là. Geochoc. C'est... J'en ai perdu ma voix. C'est parti. Par contre, il est collé bizarre. Hop. Ok. Oh, j'ai vu quelque chose. Oh là là, je crois que j'ai vu quelque chose. 1, 2, 3, 4. Enfin, quelque chose dans cette ouverture, les amis. On va enfin avoir quelque chose. Énergie. Galopa, qui est magnifique. L'adresse de retour. Kangrex. Emolga. Starry, attendez, là je me remets bien, là, je pense qu'on va avoir quelque chose. Starry, Mediana, Racaillou, Paras, ça brille derrière, Spirit Bomb. Bomb, let's go! Il va falloir commencer à respecter le roi! Oh là 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 là! Je vous ai dit, il faut respecter le roi, il fallait donner de la force. Oh la dinguerie, mais regardez-moi ce Pikachu. Hein, le cadrage est ok, hein, c'est pas dégueu, hein. Bon, c'est pas ouf, c'est pas le meilleur cadrage, hein, ça sera jamais PSA 10, mais oh là là, c'est une carte qui coûte extrêmement cher, peut-être l'une des cartes que je voulais le plus dans cette extension. J'ai plus de voix, c'est une dinguerie. Oh la folie. Oh là là, là, je pense que c'est la plus belle carte de ma collection. Sincèrement, je pense que c'est la plus belle carte de ma collection. Il est magnifique.
Oh là 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 là. Oh là 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 là, je suis trop heureux. Allez, plus que deux boosters, mais là, je vous avoue, je suis tellement heureux. Aïe, ah bah franchement, je m'en fous, loin d'avoir eu, de rien avoir eu sur les autres boosters, là. Franchement, c'est un truc de malade. Oh, je suis trop heureux. Ok, c'est parti, petit code, 1, 2, 3 et 4. Et c'est reparti pour un tour. Énergie. Nyx. Nidorina. Dimocles. Goupix, Scalpion, Racaillou, Ferrosinge, Pondespiègle, la noix de coco inversée. Ce sera encore une fois un Kabutops. Franchement, on peut plus se plaindre, on peut plus se plaindre. Dernier booster de cette ouverture. J'ai bien fait d'aller forcer les 12 boosters sur cette énorme ouverture. Et on a encore cette display qui a ouvert. A ouvert, à ouvrir, j'en perds mes mots, je ne sais plus parler français. Mais je suis en tout cas un homme heureux et ça, c'est incroyable. 1, 2, 3 et 4, le quota est magnifique, c'est totalement fou. En vrai, si 3 cartes holographiques, en fait, 3, ça fait tous les 4 boosters, on a eu quelque chose. Ça va, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Énergie, Aquafouac, la Rome plante. C'est rare qu'ils font d'ailleurs des trucs avec les Roms. Coconfort, Aspico, Vosturno. Encore un mini Draco, Zorua, Psychoquack. Oh! Let's go! J'étais pas prêt! Et Jirachi en bas! Oh, let's go! Magnifique! Tokuriko, prisme! Ok, je savais pas qu'il y avait des prismes dans du Hot Choc. Et bah, franchement, ça fait grave plaisir! Mais là, ce hit sur ce Pikachu et Zekrom qui fait tellement plaisir! On se retrouve avec une superbe ouverture hein, en réalité. Donc là, on a eu quelque chose tous les 3 boosters. Et voilà le récap de ces 12 boosters, les amis. Ce Léviator qui est tombé comme un bœuf. Là, ma plus belle carte aujourd'hui, je pense, de ma collection. C'est ma carte. Là, c'est ma carte fétiche maintenant, je pense. Hein, vraiment, elle est magnifique. Voilà, là, c'est un truc de malade. Ça, c'est une carte que je veux absolument grader. Parce que bah, je la trouve extrêmement belle. Tokoriko, que c'est pas un Pokémon que je connais. Et ensuite, on a une analyse de Léo, que je vais quand même mettre sous protège, parce que bon, faut respecter, ça reste une holographique. Donc, Duo Choc, comme je vous dis, c'est une très très belle série. Vous avez vu les cartes Escouade à quel point elles sont belles. Et on va continuer à ouvrir cette display. On va l'ouvrir jusqu'à la fin. Là, j'ai fait un peu de mal à la carte. Et en tout cas, les amis, j'espère que cette ouverture vous a plu. Ça a été une énorme ouverture qui s'est super bien passée, qui nous a bien fait manger. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller chercher les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et même Jirachi est d'accord avec moi. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fan de Pokémon. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous tout le monde. Je suis malade en prenant le Jirachi, j'ai juste de remarquer qu'il était holographique. C'est une ouverture de fou.